sur Teguruma, la ceinture de Uke doit passer au-dessus de celle de Tori afin de réaliser un mouvement d'amplitude maximale. Chasser le bras de Uke, venir enfourcher la jambe, dos droit, ramener la jambe droite, tirer sur le bras droit, monter. Le bras gauche de Tori vient enfourcher Uke par le côté avant qu'il ne lui tourne le dos. Cette forme de Teguruma fait chuter Uke du côté opposé à la forme classique. Sur les deux formes de Teguruma, le dos de Tori est droit. Ses jambes sont fléchies afin de pouvoir charger Uke facilement.